Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours. Et ta vie à chaque coule comme. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque coule comme. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Que le Seigneur soit glorifié. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 36, psaume chapitre 36, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 36, nous lisons la parole de Dieu. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux, pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Amen. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera point. Parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera point. Parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi t'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus, il vous donne la vie. Non, jamais ne passera point. Parole de Dieu, jamais ne passera. Non, jamais ne passera.
Sur ton soutien, nous comptons sur ton amour. Tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Aujourd'hui encore, nous réussissons de nous tenir encore dans ta présence et de chanter. Oh, Dieu Tout-Puissant, ce chant que nous venons de chanter, la parole de Dieu ne passera point. Les cieux de la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Et nous te remercions pour ce soutien que nous avons trouvé auprès de toi, mon bien-aimé Seigneur, parce que nous appuyons sur tes promesses à toi, mon Seigneur. Cela vraiment réjouit encore nos cœurs, mon bien-aimé. Nous sommes vraiment heureux, Père Saint, de pouvoir réaliser combien tu es vraiment merveilleux, puissant et vrai, Seigneur, parce que ce que toi, tu as toujours déclaré demeurera toujours la vérité, Seigneur. Et cela s'accomplira davantage et toujours, Père. Apprends-nous à voir simplement nous accrocher davantage à toi, à obéir, à pouvoir réellement aussi marcher avec confiance et aussi certitude encore avec toi, mon Soba. Bénis ton peuple encore ce soir. La joie que nous avons de voir être encore dans ta maison encore aujourd'hui, mon Soba. Pour ceux-là qui sont aussi en connexion à différents endroits, qui sont aussi bénis aussi, Père, et aussi éclairés encore par toi, comme tu les fais encore en ce jour, Père Saint-Dieu. Nous avons vraiment besoin de toi, comme nous l'avons entendu par ta lumière, nous voyons la lumière, Seigneur. Nous nous résistons véritablement que si toi tu n'éclaires pas, Père Saint, nous ne pouvons pas voir la lumière, mon roi. Pourquoi nous voulons accrocher à toi, ne voir que ta lumière à toi, que nous pouvons aussi de voir aussi, béni mon Père Dieu. Merci pour chaque frère, merci aussi pour chaque sœur, béni mon Père Saint-Dieu, pour chaque enfant, pour chaque frère. Ça y va, chaque ton peuple à toi qui, aussi dans différents endroits, aujourd'hui, s'est réjoui d'être encore dans ces lieux, béni d'enfant, connecté à cet endroit, béni pour aussi entendre aussi ta voix, Seigneur. Nous te supplions de nous parler encore ce soir, de nous aider, Père. Sois béni et glorifié, mon Père Saint, pour tout ce que tu fais pour nous, quand nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu, merveilleux qu'il soit, que son nom soit béni, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous console et vous fortifie aussi. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vraiment bénisse chacun de vous. Qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie. Nous sommes, comme la Bible dit, le troupeau de son pâturage, que sa main glorieuse et puissante conduit jusqu'à ces jours qui nous a conservé la vie. Et c'est pour ça que nous voulons aussi en retour le louer et le remercier, parce que la Bible dit que le séjour de mort ne peut pas te louer. Et les vivants, ce sont ceux-là qui te louent. C'est pour ça que nous nous approchons chaque fois, mais en chantant avec beaucoup de reconnaissance à son endroit et aussi de consolation aussi, parce que nous savons que c'est lui qui a des oreilles, il écoute aussi, et quand nous chantons de notre cœur, il entend aussi, et le Seigneur aussi se réjouit quand nous pouvons le chanter d'un cœur pur et d'un cœur aussi bien disposé. Nous le supplions de pouvoir vraiment nous aider à pouvoir davantage et surtout nous attacher à lui, comme cet homme de Dieu, l'apôtre Pierre, pouvait le dire, faites donc tous vos efforts. Que Dieu nous aide, c'est que nous puissions arriver aussi à pouvoir nous donner davantage, afin que tout ce que lui, il fait, ce que le Saint-Esprit est en train de pouvoir aussi faire, trouve aussi réellement un écho dans notre intérieur pour que nous puissions réellement aussi nous réjouir dans ce que Dieu est en train de préparer pour tous ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça aussi que l'apôtre Paul, en regardant toutes ces choses, il dit, mais le souffrance du temps présent ne pourrait être comparée donc à la gloire à venir que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc réservée. C'est pour ça que, ayant vu ce qui lui était donc réservé, il ne s'est point arraché à être l'égal de Dieu, effectivement. Il acceptait les injures et l'ignominie, effectivement. Parce que, comme la Bible dit, il a pris l'obéissance par les choses dont il a réellement aussi souffert. Nous remercions notre Dieu de ce que il nous fait entrer aussi dans cette école où nous devons davantage aussi apprendre de lui,
pour qu'il nous façonne à sa façon et selon effectivement aussi le plan et les projets qu'il a eu à pouvoir aussi mettre sur pied pour lui, enfin pour ce temps dans lequel nous sommes aussi, et surtout ce qui nous concerne dans la partie dans laquelle Dieu nous a aussi placés. Parce que c'est depuis la création que Dieu avait déjà eu à pouvoir faire son programme et placer les choses comme il le voulait pour que rien ne puisse arriver et dire que c'est par hasard, parce que le hasard ne peut pas exister. Est-ce que tout ce qui peut arriver est sous le contrôle de Dieu, effectivement aussi. Donc le Seigneur, depuis la Genèse, depuis la création du monde, depuis même que le monde a eu à pouvoir avoir ce exemple, avant même que le monde soit, il avait déjà eu à pouvoir réellement aussi voir et penser ce qu'il allait réellement faire, effectivement. C'est pour ça que on dit qu'il est le Très-Haut et le Tout-Puissant, parce que il n'y a aucune chose qui peut arriver à pouvoir lui échapper. Alors, ce qu'il a préparé, effectivement, pour ce qui lui appartient, ce sont des choses, comme la Bible dit, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, effectivement. Vous savez, quand cet homme de Dieu dit que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées, c'est qu'il a eu à pouvoir quand même goûter, quand même. C'est pour ça que on dit que nous avons reçu les arts de l'esprit, en fait. Nous, ceux qui ont eu cette grâce divine du Seigneur, notre Dieu, de pouvoir goûter à cela, effectivement, ils peuvent réaliser que les épreuves sont intenses aussi dans leur vie, mais il y a au plus profond de leur intérieur quelque chose qui leur maintient davantage. Il n'y a aucune chose qui peut vraiment les écrouler complètement, peu importe la taille, effectivement, de la souffrance, des difficultés qui peuvent les écrouler complètement, qui peuvent les détacher de ces dieux. Il n'y a aucune chose. C'est pour ça que Dieu te bénisse, ma soeur Bambino. C'est pour ça que les saintes écritures disent dans c'est quoi, c'est l'apôtre Paul dit, mais qui nous séparera? Vous vous souvenez de l'amour de Dieu? Nous pouvons le lire, hein. Il dit cela pour que nous puissions comprendre ces choses qui sont nécessaires. Je pense dans Romains au chapitre 8, je pense que c'est cela. On dit donc, la manière dont il exprime effectivement ces choses qui sont donc importantes aussi, nous, hein. Oui. Et c'est cela, oui, c'est cela ce qui... Romains au chapitre 8, voilà, c'est cela qui se passe. Voilà. Et c'est cela, oui, c'est ça, mais ok. Nous pouvons lire à partir du verset, oui, peut-être que. Verset 33, il dit mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est donc ressuscité, il est donc à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou le paix? Donc, toutes ces choses qui sont tellement douloureuses aussi, qui font qu'effectivement qu'un homme arrivant à un point tel que celui-là, il dit, mais comme l'expression qu'on utilise, c'est « je craque ». Mais un chrétien ne peut pas craquer. Non, il n'y a rien qui peut le faire craquer. Mais c'est la vérité, mon frère et ma soeur. Il dit là, je craque. Non, je ne peux pas craquer. Non, parce qu'il n'y a rien qui peut me faire craquer. Parce que là, Dieu... Oui, quand j'étais sans espérance, sans foi, sans Dieu, je craquerais. Mais maintenant que j'ai cette espérance, effectivement, et cet homme l'a dit, effectivement, on nous regarde comme des brebis amenés à la boucherie, effectivement, il dit, mais c'est pas ça qui peut me faire en sorte que je puisse être retiré dans cela. Ou que il dit, mais je suis tellement fatigué, frère, de pouvoir servir ces dieux, je n'en peux plus. Non, j'ai dit, plus le jour avance, même plus il avance, il dit, mais Seigneur, merci, que malgré l'épreuve, tu me maintiens encore à toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais prisonnier de Christ, il a voulu que le Seigneur les rende prisonniers. Afin que je ne fasse pas ce que je veux, dit, même si en certain moment je suis là devant, que tu as dit, fais ton choix. J'ai dit, Seigneur, pas mon choix. Mais ton choix, toi, ce que toi tu veux. Oh, que Dieu nous aide à arriver à ce point-là, mon frère et ma soeur. Et je continue à rappeler, dit, on va dire, c'est ton, je dit, on va dire, c'est cela, oui.
Verset 35, péril ou le pays, il dit, mais selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Et vous comprenez? Il a dit qu'ils vous haïront, ils vous persécuteront à cause de mon nom. Ah mais bien sûr que oui, ah oui, c'est vrai. Et nous devons comprendre effectivement pourquoi toutes ces choses dans notre marche. Vous savez, quand Dieu ne se soucie pas de toi, il ne te regarde même pas, tu ne peux pas avoir de problème. C'est pour ça, n'aspirez pas toujours à pouvoir voir comme si dans ce monde, vous allez avoir un bonheur qui coule comme l'eau dans les ruisseaux où vous êtes assis, effectivement, tout à fait. Oui, vous pouvez avoir des moments comme ça, mais ça ne sera pas tout le temps comme ça. Non, frères et sœurs, vous n'avez pas remarqué, la Bible dit que c'est lui qui vaincra. Donc, c'est-à-dire que chaque jour ici, nous avons à combattre, frère. Pour garder les territoires que le Seigneur nous a donnés, parce que l'ennemi voudra te faire sortir de là pour qu'il occupe. C'est ça. Mais toi, tu sais qu'effectivement, que tout lieu que tu vas prendre ton pied, amen, Dieu te l'a donné. Donc chaque jour que j'avance, effectivement, c'est le terrain que je conquis, et alors l'ennemi ne peut pas me faire sortir. Non, je suis dedans, je reste dedans. C'est vrai, mon frère, c'est vrai, ma soeur. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te l'ôter. Parce que la chose est à toi. Mais c'est pour ça que oui, on viendra effectivement pour pouvoir cesser, pour pouvoir te faire ci, pour que tu sautes là. Non, toi tu dois combattre pour les terrains que tu es. Nous sommes un peuple qui doit connaître effectivement celui qui l'a appelé. Et pour quelle raison il a appelé, effectivement. Alors, voyez-vous, mon frère et ma sœur, nous devons être instruits, et c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a déjà fait la promesse aussi, en disant que quand le Saint-Esprit viendra, il nous consolera, il nous conduira, il nous enseignera, il nous rappellera toutes ces choses qu'il nous avait dit, effectivement, ainsi. Donc nous sommes de ceux-là qui doivent être, se laisser instruire pour comprendre, effectivement, que, en tout cas, Dieu ne fait pas d'erreur. Si on s'assied, on se dit, Dieu n'a pas fait l'erreur de pouvoir me choisir. Non, non, ma sœur dit, et vous savez, tout à l'heure, quand je disais que Dieu bénisse ma bien-aimée sœur Babino, je crois que vous devez vous souvenir aussi son témoignage. Simplement, cela est venu ici. Et vous, elle était dans une église qui se trouve ici dans Bruxelles, et mariée avec son mari, ils ont fait là-bas, ils ont grandi là-bas. Mais quelque chose s'est passé avec elle. Vous savez, les gens aiment bien les grandes églises où il y a beaucoup de monde, avec beaucoup de fatakra, tout certaines choses comme ça, de lumière, des grandes choses, effectivement. Parce que quand les communs de mortels, c'est-à-dire que l'être humain rentre dans des endroits comme ça, il dit, ah, Dieu est ici. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une foule. Et qui sont attirés, puis les marbres, les grandeurs de ces endroits, effectivement, dit, parce que les gens aiment bien les choses qui attirent par les yeux. Mais n'oubliez jamais, ce n'est pas la chose qui attire, ce n'est pas que Dieu est là-dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans les choses que vous ne pouvez même pas vouloir être dedans. Donc, vous savez, quand il est naquis, effectivement, comment est-ce que l'endroit où il était? Alors, il était là, effectivement, aussi, bien joliment, avec tout ce qu'on appelle des grandes... C'était un endroit où on invitait des hommes politiques qui allaient peut-être faire aussi leur petit discours, effectivement, là-bas, pour gagner aussi. Ah, bien sûr, c'est comme ça que ça se passait. Alors, là... Et avec son mari et avec ses enfants, il y allait effectivement. Mais je crois qu'un jour comme ça, son cœur dit, c'est pas possible, ça dit. Ça commençait à pouvoir travailler dans son cœur. Et voilà que là, ce n'est pas que moi je l'ai exhorté ou quelqu'un d'autre est allé l'exhorter, c'est elle-même. Et c'est Dieu-là qu'elle, de tout son corps, qu'il avait connu, effectivement, c'est ces dieux-là qui vient vers elle. Vous vous souvenez de son témoignage? Ah, vous connaissez, non? Dieu soit béni. Alors, voyez-vous, ça c'est une grâce que Dieu accorde à une personne. Si Dieu arrive à pouvoir se manifester à ton endroit comme ça, et te faire sortir de cet endroit, oh oui, monsieur, tu dois savoir où tu en es. Donc, peu importe effectivement le douleur. Et je vais encore aller beaucoup plus loin parce que qu'elle me pardonne, ma sœur, effectivement, je suis ton frère. Et là, comme vous l'avez dit, donc, elle a pu voir dans le ciel le Seigneur qui lui a montré. C'est ça, non, ma sœur? Hein? Effectivement, que c'est lui, le Seigneur, qui l'a fait sortir de cet endroit-là.
Pour ceux que vous ne savez pas, vous aurez l'occasion de poser la question qu'il vous explique aussi en détail. Mais ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est ceci. Quand Dieu t'est saisi comme ça, c'est pour ça que je prie pour elle que Dieu la soutienne. Quand Dieu t'est saisi comme ça et que lui-même s'est manifesté en toi, il a planté quelque chose au-dedans de toi. Pardonne-moi encore, sœur, parce que ça va peut-être un peu mal, mais pardonne-moi. Vous savez ce qui s'est passé? L'épreuve par laquelle il est passé. C'était tellement, vous savez, tellement, parce que c'est douloureux jusqu'au jour. Ça fait quand même mal. Et son état était tellement dans une situation telle que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je prie pour que mes amis ne puissent pas être attristés, mais que le Seigneur, c'est un témoignage qu'il donne, c'est important. Oui. Et je crois que tout un chacun de vous a eu à pouvoir passer par ce mois tellement difficile. Et douloureuse, effectivement. À tel point que dans son corps, dans son état, il était à tel point dit que, en tout cas, une telle situation, telle douleur, Seigneur, c'est difficile à pouvoir porter. Et humainement parlant, il commençait un peu à sentir un peu comme s'il devait quand même faire un peu comme ça. Vous vous souvenez? Alors, qu'est-ce que c'est Dieu a fait pour savoir que quand Dieu te tient, peu importe la taille de la douleur qui fait qu'effectivement, il sera difficile pour toi de reculer. Et c'est Dieu. Oui, c'est vrai, je veux que vous voyez. Parce qu'on peut penser que c'est... Non, c'est la vérité. C'est tellement douloureux, vous vous souvenez ici. Et qu'est-ce que c'est Dieu a fait, effectivement? Pendant qu'il était parti, vous vous souvenez? Moi, j'étais à la maison chez moi et j'ai prié pour un enfant, j'étais par terre. Oui, j'étais par terre, en train de voir pleurer et prier. Je ne savais rien ce qui s'est passé, effectivement. Et pendant qu'il était là-bas, et qu'avec son papa, et qu'il était parti, le papa, avec autant que Dieu le bénisse, il a cherché à m'appeler la première personne, la nuit en question, pour que je bénisse. Et moi, mon téléphone, je crois qu'il y avait un souci, mais j'étais en train de prier par terre. Et alors là, il s'est passé quelque chose. Et quand je me suis donc levé de la terre, parce que là où j'ai prié, je dormais par terre, je me suis simplement assis comme ça et appuyé mon dos contre le lit. Et quelque chose s'est passé comme si je devais avoir un petit sommeil. C'était une vision. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la petite qui vient, qui se tient debout devant moi et qui me regarde en me disant, mais frère Léonard, dis à ma maman de me laisser partir. C'est pourquoi vous voyez comment Dieu console les gens. Dis à ma maman, je n'ai pas à être triste, hein. Merci beaucoup. Dis à ma maman de me laisser partir. Moi, je la regarde, je dis, mais partir où? Et puis, elle me regarde, vous savez, quand on est dans cette dimension-là, c'est un peu particulier. Elle me regarde, elle a bien compris et senti qu'effectivement, que dans mon cœur, j'avais un doute à ce qu'elle me disait. Elle me dit, mais frère Léonard, tu doutes? J'ai dit, il dit, mais c'est parce que je suis bien avec le Seigneur. Que ma mère ne puisse pas avoir peur, je suis très bien avec le Seigneur. Et comme je l'aimais beaucoup, parce que cette enfant était particulière, tout le monde sait ici, hein? On termine la réunion, la maman vient, on va partir, elle dit, non, je ne pars pas sans avoir vu le frère Léonard. Toujours dans mon bureau. Et quand elle vient, et je m'assieds là, il y avait un fauteuil, elle s'assied aussi à côté. Ah, je reçois les gens sont là aussi, il est assis. Jusqu'à ce qu'elle sente qu'elle se sent bien maintenant qu'elle a terminé, elle se lève et je la prends, je la mets sous mon poitrine. C'était comme ça. Et là, ce jour-là, c'est quand j'ai vu cela, et là, à l'endroit où elle était, effectivement, elle s'est levée, elle est venue et s'est mise sous ma poitrine comme elle le faisait. Je l'ai sentie sur ma poitrine. C'est à ce moment-là, j'ouvre les yeux et c'est comme cela qu'elle était rentrée. C'est-à-dire que Dieu nous a montré qu'effectivement, que cet enfant est allé dans sa présence. Mais voilà que, pendant ce temps-là aussi, notre sœur, mais elle était tellement dans la tristesse, je l'ai appelée. J'ai dit, ma sœur, voilà quelque chose qui s'est passé, ce que, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, je l'ai expliqué comme j'explique là, j'ai dit, mais il m'a dit de te dire qu'il faut la laisser partir, parce qu'elle est bien avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. Et alors voilà que la sœur est assise, parce que j'avais ma voiture, elle et son mari étaient ici derrière, moi j'étais devant. Elle dit, c'est exactement elle qui t'a parlé. Je dis, oh, oui, c'est vrai. Il dit, oui, parce que ce que tu viens de me dire là, c'était entre elle et moi. N'est-ce pas vrai, ma sœur? Donc personne ne le savait. Donc c'était entre elle et moi. Donc je lui ai parlé, il venait me parler, je lui ai dit, non, tu dois te dire. Il dit, donc ça veut dire que c'est elle qui t'a donc parlé ainsi. Alors vous voyez, cela est passé. Les temps sont passés. Quand Dieu vous a mis, il vous a choisi. Frère, vous pouvez tout faire. L'idée, elle peut tout faire, effectivement. Garde, Dieu vous porte déjà. Il fait en sorte que tu sois ancré là-dedans. Les temps sont passés. J'ai dit, ne soyez pas triste. Hein. C'est le Seigneur qui a... Je ne pensais même pas ça aujourd'hui. Hein. Et les temps sont passés. Mais c'était toujours douloureux pour la main. Et je crois que c'est la même chose pour nous tous. Douloureux. Parce que quand on perd quelqu'un pendant 7 ans, c'est difficile de consoler une personne.
Moi, j'en connais aussi, hein, parce que je suis passé par là. Donc, alors à ce moment-là, à un moment, elle ne venait pas à l'assemblée. Elle pleurait parce qu'elle avait toujours la douleur, effectivement, parce qu'elle avait toujours le matin. Vous connaissez, vous savez, non, ça arrive comme ça à tout le monde. Mais Dieu qui l'a connue, Dieu qui nous a connus, il ne nous laissera jamais. Voilà qu'elle pleurait douloureux, effectivement, les enfants aussi, effectivement, avec elle. Alors, tellement déchiré dans son cœur, son Dieu à lui qu'il avait déjà parlé, a fait quoi? Il a suscité la sœur Edith qui est là-bas derrière. C'est vrai, non? Qu'est-ce qu'Edith voit? Edith voit que la petite, elle revient encore vers la sœur. Voilà, ça, j'ai dit, Dieu est vraiment merveilleux. Quand Dieu aime quelqu'un, il aime. Et la petite va vers la sœur Edith. Pendant que maman et les enfants n'étaient pas, venaient pas à l'assemblée. Elle dit à la sœur, non, Dieu soit béni. Elle dit à la sœur, sœur Edith. Sœur Edith dit, oui, mais qu'est-ce qui te passe? Toi, tu es déjà parti. Il dit, non, sœur Edith, écoute-moi. Est-ce que tu as vu ces derniers temps ma maman avec mes sœurs encore dans l'assemblée? C'est pas vrai? Il lui a posé cette question. Alors que maman, les autres ne venaient pas. Il dit, mais est-ce que ma maman, tu le vois encore venir à l'assemblée? Et puis il dit, mais dis à ma mère de revenir à l'assemblée avec mes soeurs. C'est vrai ou pas? Oui. Je les ai invités ici dans mon bureau, papa et maman dans mon bureau là-bas. J'ai dit, mais vous ne réalisez pas ce que le Seigneur tentait de faire. Il dit, mais chose pareille, c'est presque rare. Non, mais c'est parce que Dieu aime cet enfant-là. Parce que premièrement, il a ramassé dans le dénomination. Ne soyez pas en train de dire, oh, frère, non, c'est Dieu qui a voulu. Moi, je n'étais pas. On va dire, oh, il parle. Non, non, non. Je ne sais pas, moi, j'étais même pas. Mais ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu a voulu ce soir. Alors ne me regardez pas. Non, frère, c'est important. C'est parce que Dieu l'aime. C'est vrai, cela. Vous vous rendez compte, frère et soeur, si Dieu ne l'aimait pas, il pouvait la laisser la tristesse partir. Mais il va même montrer ça et l'arracher jusque-là. Depuis qu'elle est revenue, vous la voyez? Ce que Dieu, notre Seigneur, même quand la situation est tellement si douloureuse pour toi et que le diable met toute sa force pour faire que tu quittes le Dieu, mais c'est impossible. Parce que Dieu fera tout. Il te montrera même les choses que tu n'as même pas pensé pour te ramener à ça. C'est ce qu'il a fait. C'est vrai. Avec Dieu, frère et soeur. Non, quand Dieu a posé sa main sur toi, oh frère, le diable peut faire, mais c'est aussi ancré en toi. Pourquoi? Mais parce que Dieu t'a... Frère, l'amour de Dieu pour toi, c'est une grâce extraordinaire. Alors, dans ta marche à toi de tous les jours, souviens-toi de ce que ce Dieu a fait pour toi. C'est pour ça que j'ai dit, souvenez-vous, il faut d'abord que tu aies une expérience avec ce Dieu. Parce qu'il ne peut pas agir avec toi s'il ne t'a pas aimé, s'il ne t'a pas connu. S'il a fait avec toi, il ne t'abandonnera jamais. C'est pour ça, ne perdez pas votre temps en venant simplement s'asseoir. Non, frère. Il s'agit de moi d'avoir une assurance. Une certitude qu'effectivement, que c'est, Dieu ne peut pas se tracasser si tu n'as rien à voir avec lui. Non, non, monsieur, il ne peut pas. Vous rendez compte, effectivement, des trois hébreux croyants. Si Dieu n'avait rien à voir avec lui, il peut dire, mais Dieu est passé son chemin. Mais Dieu est descendu là pour leur montrer, effectivement, que je vous connaissais. Je vous connais. Il ne pouvait pas mourir dans le feu, frère. Ce n'était pas possible. Non, c'était des hommes comme toi et moi. Mais vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, oh, oh roi, vie éternellement. Nous savons que notre Dieu, est capable de pouvoir nous faire sortir de cette situation. Il n'y a pas de problème, nous avons confiance, mais à nous agenouiller devant toi ou devant ta statue, frères et sœurs, ça c'est un témoignage, un exemple pour que vous puissiez... Vous savez, je pensais que c'était aujourd'hui, vous savez que et cette année-ci, et souvent c'est vrai, quand nous avons eu au mois de décembre, je pense, hein, quelle était donc la vision que Dieu nous a donnée de ce que sera l'année? Persévérance, non? Mais est-ce que vous n'observez rien? Et nous avons aussi entendu cette semaine, difficile quand même. Où il faut, vous voyez quand même ce qui sort, ce qui se passe. Ne sortez pas des étrangers. Vous vivez cela maintenant. Maintenant, la question, moi, s'est posée, mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Vous verrez que ceux qui sont de Dieu, ils ont la persévérance. C'est-à-dire que il n'y a rien qui peut, peu importe les mesures qu'on peut prendre. C'est vrai. Aujourd'hui, on vous fausse en disant, je donne un exemple, effectivement, il ne faut pas m'en vouloir cela. Et il me dit, mais si vous ne faites pas, vous n'allez pas avoir du travail. Non, monsieur, il ne faut pas vous inquiéter.
votre Dieu sait qu'effectivement vous avez besoin du travail, il vous donnera. Même s'il faut changer des lois, il changera. Ne tremblez jamais devant la menace. Non, ne tremblez jamais devant la menace. Non, vous soyez fortifiés par la foi parce que Dieu vous connaît. Que ce soit même dans les écoles. Frères et sœurs, c'est pour ça que le Seigneur essaie de voir nous parler. Mais vous ne devez jamais vous imiter, enfin, vous laisser entraîner dans le monde pour ressembler un peu au monde, pour qu'on vous accepte. Non, c'est tout vous, jeunes filles, jeunes hommes. Que nos copines nous acceptent et on doit suivre la mode. Vous n'avez pas à suivre la mode. Pourquoi vous voulez suivre les saletés? Ce sont eux qui doivent vous suivre. C'est sûr et certain. C'est-à-dire, voyez-vous, je ne peux pas citer de nom, mais l'une de vos sœurs a eu à pouvoir avoir des situations problématiques. Et j'ai pris que Dieu la soutienne, effectivement. Et elle était là, effectivement, elle disait, mais je suis un enfant. Non, monsieur, vous ne voulez pas. Alors, voyez-vous, c'est pour ça que soyez, billez-vous comme il faut. Je ne cesse de pouvoir les dire ici, vous êtes toujours là, vous voulez toujours montrer, vous serrez vos machins, trucs, un bazar. Mais c'est normal quand vous serrez, vous avez des chiens dans le transport, partout où vous allez passer, effectivement. Vous les poussez à pouvoir, mais c'est vrai. Quand on vous dit, non, il est vieux, pas de problème, mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous voulez ressembler au monde, mais vous allez voir. Mais il s'est passé quoi? Mais je vais peut-être citer le nom de notre jeune sœur ici, mais la pauvre, bref, je ne vais même pas citer son nom. Et les choses qui... Mais c'est vrai, parce que vous allez dire, je vais pas citer, parce que j'avais dit, une fois, si je cite le nom, c'est toujours des problèmes, je ne cite pas le nom. Mais frère, ma sœur, mais c'est important pour que vous puissiez comprendre. Le monde dans lequel nous nous trouvons, les gens sont malades, et vous, c'est comme si quelqu'un, vous voyez par exemple un chien qui restait pendant 3 jours, 4 ou 5 jours sans manger. Et vous venez avec la viande que vous lui faites comme ça, devant l'aîné. Mais, non, mais c'est sérieux, c'est pas pour blaguer, mais faut comprendre. Il restait pendant des jours, il a même regardé les viandes à la télévision, il n'a même pas pu avoir l'occasion, c'est malin. Mais là, il vous venez avec une viande, vous agitez comme ça, devant lui. Et voici les petits beefsteaks, c'est les petits beefsteaks. Et vous avez un berger allemand qui est là, qui va vous regarder comme ça, oh, gentiment. Mais il va vous manger même avec les bras. Bon, est-ce que vous comprenez la version? Ah oui, c'est sûr, c'est un. Et c'est ça le problème. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Non. Il est nécessaire, comme il dit ici, verset donc 36, il dit, c'est là qu'il est écrit, et à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, on regarde comme des brebis destinées donc à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous ne nous décourageons pas, mon frère et ma soeur. Non, il n'y a pas de découragement, il n'y a pas d'inclin. Non, non, non. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc Dieu t'a donné quelque chose, mon frère et ma soeur. À tenir ferme dans les temps difficiles. Ah oui, c'est pour ça que mon grand m'avait posé une question un jour. Il dit, mais... Quand le Seigneur dit que ces jours seront abrégés, effectivement, on parlait évidemment aussi, et ces jours seront abrégés. Mais c'est vrai. Il sait que jusqu'à ce point, vous pouvez tenir. C'est pour ça qu'il arrête la chose. Il ne veut pas aller au-delà, parce qu'il est là. Ça va être difficile. Mais ici, là, j'ai donné qu'ils atteignent jusque-là. Alors, c'est vrai. À cause des élus. Parce que vous ne pouvez pas échouer. Ah oui, c'est la vérité. L'élu ne peut pas échouer. Il a été élu pour la victoire. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Peu importe ce que le monde peut prendre comme décision. Aussi longtemps que tu es là, tu réussiras toi. Oui. C'est quand tu partiras. Les choses seront différentes. C'est ça qu'on dit que jusqu'à ce que celui qui les retient ait disparu. C'est pour ça que vous êtes là. Les gens peuvent vous dire beaucoup merci. Ah oui, parce que les maladies, frère, vous ne vous rendez pas compte, les maladies peuvent venir, ils vont faire des ravages, mais ils vont stopper à cause de vous. Mais oui, vous êtes là, vous savez, je ne sais pas comment on peut vous placer, mais en fait, vous êtes la lumière. Elle a dit, vous êtes le bonheur, vous êtes la joie pour ce peuple qui est ici, qui vous déteste. Bien sûr. S'il y a la pluie qui tombe pour donner de la verdure, s'il y a tout ça, mais pas si la sécheresse pourra venir. D'ailleurs, voyez comment est-ce que le torrent passe, effectivement, il peut tout emporter.
aujourd'hui, comment ça va se passer? Bref, maintenant. Non, c'est pour dire qu'effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, a donné quelque chose à ses élus, à ceux-là qu'il a connus d'avance, comme l'Écriture le dit, à ceux qui a connu d'avance. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi donc prédestinés. Si Dieu donc t'a prédestiné à quoi? S'il a été prédestiné, tu as été prédestiné à quoi? C'est pour ça que je prie aussi que nos enfants qui viennent toujours ici, c'est vrai qu'ils suivent les parents, mais je prie pour qu'ils prennent aussi conscience qu'il s'agit de leur propre salut aussi. Papa et maman ont cru au Seigneur, ils font leurs efforts pour que vous aussi soyez ramenés afin que vous preniez part à ce qu'eux, ils ont eu à pouvoir goûter. Depuis aussi leur jeunesse, qu'ils ont vieilli à cela, ils ont trouvé que c'était tellement bon. Alors nous voulons que nos enfants soient dedans. Alors soyez obéissants à vos parents. Ne vous révoltez jamais contre eux. Parce qu'un papa et une maman, ils savent ce qu'ils doivent te dire parce que par là où tu passes, ils sont déjà passés par là. Oh maman, c'est pas comme ça parce que mes amis, tes amis là-bas n'ont pas une éducation. Ton père et ta mère ont été instruits parce qu'ils sont accrochés à Dieu. Donc quand ils te disent quelque chose, obéis. Oh, tu veux que je sois comme une vieille? Non, il veut que tu sois comme une fille de Dieu. Donc, à l'extérieur, quand tu pars à l'école, ils sont tranquilles. Mais il ne faut pas que tu t'habilles comme quand tu pars et dis, mais qu'est-ce qu'elle va revenir? Parce que vous ne savez pas. Souvenez-vous toujours, vous, jeune fille, effectivement, du bifteck avec les chiens bergers allemands qu'elle n'a pas mangé pendant 3 jours. Et lui faire les bifteck comme ça. C'est sûr et certain que tu ne vas pas rentrer, hein? Ah, ces chiens, on a beau dire ce qu'on veut, même s'il crie sur lui, il va appeler les beefsteaks. Vous voyez le beefsteak qui est là, il va appeler. Donc les parents veulent préserver vous. Parce que nous sommes dans un monde où, vous savez, que Dieu nous aide. Qu'il nous aide évidemment, surtout que ça passe avec... D'ailleurs, vous comprenez bien. Vous comprenez bien aussi, et que ce soit quand le parent vous dit, oh, pas tout le temps sur le face, WhatsApp et tous vos réseaux sociaux. Oh, papa, il n'est pas bien, maman n'est pas bien. Quand papa commence, oh, papa ne m'aime pas. Non, papa vous aime. Passez par là que comme papa ne sait pas voir que vous allez regarder toutes les saletés possibles. Et c'est pour ça qu'il y a même des suicides faits toujours en regardant les réseaux sociaux. Ces démons-là rentrent à la maison, et puis si vous êtes encore tel petit, quand vous voyez ça la nuit, vous avez des cauchemars. Mais c'est tout ça, c'est entre les mains des démons. Donc quand papa et maman vous disent, plus maintenant téléphone, ah oui, je suis certain. Plus de GSM à partir de telle heure, ça. Donc après avoir prié, tout on fait, mon cœur, donc t'as pas pouf, et puis vous prenez la Bible, et vous savez, c'est vraiment bon, hein. Vos enfants, vous devez écouter, c'est vraiment bon. Quand vous avez été quelque part, vous devez même regarder, vous appuyez, paf, vous fermez, puis vous prenez la Bible pour lire avant de dormir. Vous verrez que le sommeil sera doux. Parce que la parole de Dieu prend le contrôle en vous. Oui. Même si Satan voulait rentrer par un moyen, mais le fait d'avoir lu la Bible, la parole de Dieu, les psaumes et tout ça, les démons n'auront plus la force parce que Dieu prend le contrôle. C'est la vérité. C'est la vérité. Et ça qu'on doit comprendre, effectivement, que nos parents nous aiment. Oui, bien sûr, les parents que vous avez en Christ. Comme je pense que c'était Anna et la chorale qui ont chanté ici. Merci, oh merci, merci, oh merci. Vous vous souvenez? Bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas les paroles. Hein. Mais je crois qu'il y a une partie qui dit, pour le père et la mère que tu m'as donné. Vous vous souvenez, non? Je pense qu'ils chantent sans se rendre compte de ce qu'ils chantent. Merci, merci, oh merci. Mais quand papa te dit maintenant, Véronique, fais pas ton nom, papa, toi toujours. Mais dis, tu as chanté, merci, oh merci, pour les pères et la mère que tu m'as donné. Vous savez ce que moi je dis toujours à Solomon, tous les jours, hein. Solomon, je dis, Solomon, mot de passe, même quand il n'y avait pas maman. Non, j'ai dit, Solomon, donne-moi le mot de passe. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai dit, mais papa vient de parler maintenant. Ah, il est comme ça tous les jours. Oui, c'est vrai. Vous appelez-le à côté de moi. Quel est le mot de passe sur le monde? Il va vous le dire. Et c'est maintenant, vous aussi, votre mot de passe. Merci pour le papa, pour le maman que tu m'as donné, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand papa va crier, tu dis merci Seigneur pour le papa que tu m'as donné. Merci. Et c'est cela, oui. Tu vas voir que tout va être en paix. Seigneur, merci pour le papa. Quand maman dit, hey, c'est fini. Il dit, merci pour le papa. Oui, papa, je le ferai. C'est comme cela que je pense que les choses, nous serons en paix. Parce que nous sommes instruits et enseignés par le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier.